coup dur pour la reine Elisabeth II. La souveraine a le cœur brisé par la mort de son dernier fidèle Corgi, euthanasié dimanche au château de Windsor à la suite d'un cancer, rapporte le tabloïd britannique Daily Mail. Le chien, Willow, était le fidèle compagnon de la reine depuis près de 15 ans. Son décès signe la fin d'une époque pour la grand-mère de William et Harry, qui a toujours tenu à s'entourer de Corgi et ce, depuis pas moins de 8 décennies. Son tout premier, Suzanne, lui avait été offert pour son 18e anniversaire. Willow en était un descendant, issu de la 14e génération. La reine a pleuré chaque perte de Corgi au fil des années, mais elle a été encore plus touchée par celle de Willow. C'est très certainement parce que c'était son dernier lien avec ses parents et une époque qui la ramène à sa propre enfance, a confié une source proche de Buckingham Palace. La reine possède encore 3 autres chiens, les 2 Dorji Vulcan et Candy, et un jeune Corgi, Whispé, adopté après la mort de son propriétaire. Inscrivez-vous à la newsletter People.